chers amis, ou plutôt bom dia. Nous sommes à Lisbonne sous ce magnifique ciel gris. En revanche, de la couleur et de la chaleur, on en a avec la nouvelle XSR 900 GP. On est sur le segment CP3. C'est pas une MT09, c'est pas une XSR standard. En revanche, c'est la 900 sportive, un petit peu portée à son paroxysme dans cette gamme néo-rétro. Elle est belle, elle est magnifique. Il y a plein de choses qui changent. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester ça sur les petites routes du Portugal. On fera un petit tour à Estoril également. Là, il pleut, mais petit tour de magie. Dans deux secondes, vous allez voir, il va faire beau. C'est parti, go! Allez, là voilà la belle XSR 900 GP. Petite hauteur de selle à 835 mm. La position de conduite change énormément hein, par rapport à une MT-09 ou une XSR 900. Les repose-pieds, par exemple, ils ont été reculés de 26 mm, rehaussés de 26 mm. Il y a même deux positions hein, pour les repose-pieds, c'est pas mal. Quant au guidon, lui, il a été avancé et abaissé. Allez, c'est parti pour ce petit galop d'essai. Hop là, on ferme la visière. Je vais régler un petit peu ma cam vers le haut parce qu'on a une position un petit peu plus basculée vers l'avant, parce que en plus des repose-pieds reculés et rehaussés, le guidon lui a été avancé et abaissé. Mais rassurez-vous chers amis, la position de conduite, elle a rien de radical. Je retrouve mon GSX-R de 2001-2002, c'est-à-dire qu'on a une sportive hyper bien adaptée pour la route. On est confort, bien installé sur la selle, on n'est pas trop en appui hein, sur les poignets. Hop, je vais refermer mes gants d'ailleurs. On n'est pas trop en appui sur les poignets et on peut bien se basculer le buste vers l'avant pour changer le centre de gravité de la machine. Quand on est en mode sport, ça c'est très sympa. C'est vraiment cool et c'est confort. Hein. La selle, elle est vraiment moelleuse et cette Yamaha avec le CP3 a de très bonnes suspensions. Vraiment, c'est de la bonne cam. C'est référence Kayaba entièrement réglable. C'est remarquable comme ça filtre bien sur le rapide ou sur le lent. C'est très très bien. Ah, la direction change parce qu'on met plus de poids sur l'avant. Elle a un petit peu tendance à tomber hein, à l'intérieur des virages à basse vitesse. Il faut dire que la moto est longue aussi. Hein. Maintenant, on est passé à un empattement de 1500 mm. Ça explique cela. Oh là 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 là. Alors, je vous parle de quoi? Je vous parle du moteur ou de la partie cycle? Bon, on va parler du moteur parce que ce CP3, c'est toute une histoire depuis sa sortie. Et là, version Euro 5 Plus, ils ont franchement bien travaillé. Déjà, je trouve l'ambiance mécanique qui est réelle. Ça plop, plop, plop avec ce pot extrêmement moche, on est d'accord. Mais il a quand même une certaine efficacité du point de vue sonore. Et puis, bien évidemment, il est Euro 5 Plus approved. Oh, j'aime bien sur les trois premiers rapports. On lui trouve de la souplesse à ce CP3. On peut commencer à le chatouiller vers les 2000 tours minute. Et puis après, sur les rapports supérieurs, il a une montée en régime qui est toujours aussi impressionnante, très agréable et performante. Performante, hein, 119 chevaux, 93 Nm de couple. C'est un peu, je trouve, une référence, moi, sur le segment. J'adore ce CP3 pour son couple, pour son côté fun. Vraiment incroyable. La gestion électronique avec la poignée by wire, ça le fait. Et alors maintenant, on va parler un petit peu de la partie cycle parce que ça change sincèrement par rapport à XSR 900 ou MT09 parce que cette bécane, elle est posée sur l'asphalte. Elle est très rigoureuse. Elle a une très bonne tenue de route. Wouhouhou ! Et alors, côté freinage, je dois bien avouer que certes, les étriers sont des références employés, usés à foison chez Yamaha, mais là avec le nouveau mètre cylindre, bah ça freine fort et puis il y a de la stabilité, elle bouge pas. Autre chose que j'aime bien, c'est le contenu électronique de cette bécane. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. On a une centrale inertielle qui va agir hein, sur l'angle pour l'ABS et le TCS. Il y a un contrôle de la glisse de l'arrière, anti-dribbling, anti-wheeling. Il y a quand même un niveau d'assistance qui pour le coup est vraiment néo
sur cette rétro sportive Spark Heritage. Je l'aime beaucoup cette machine. Elle est agile, elle est vive, elle est pas lourde, hein. Elle fait 200 kg TPF, ça va. Et puis je suis bien dedans, j'aime bien ce qu'elle me raconte. J'adore la vue sur l'instrumentation. L'instrumentation est très bien faite. On voit plusieurs types d'affichage, mais bien évidemment, moi je garde le contour à aiguille. Enfin, à aiguille, c'est un TFT, hein, mais la simulation de l'aiguille, elle me plaît énormément. Et puis j'aime bien aussi les nouveaux Komodo, sauf le bouton des clignotants qui est un enfer. En fait, il faut appuyer deux fois sur le côté gauche pour éteindre le côté gauche machin, enfin ça c'est pas top top. En revanche, le bouton de joie, comprenez par là le joystick, c'est une très bonne chose sur ces instrumentations où il y a un petit peu de nav à faire. Et quand je vous parle de nav aussi, il y a la navigation sur cet écran, et sincèrement le rendu est super bien, pas à pas ou pas. Bon, on a fait un petit peu de piste, lol, en fait c'était juste pour faire une session photo, donc ça a pas servi à grand chose de mon côté. Donc je vous en parle pas, ou je vous en parlerai à la fin rapidement. Bon allez, je vais vous présenter un petit peu techniquement quelques tips, et puis on se retrouve sur le plateau de fin. Ah, je pouvais pas m'empêcher, j'adore ce moteur. Allez, on est parti pour une petite revue technique de cette très esthétique XSR 900GP. J'adore moi la forme de ce demi-carénage. Je la trouve bien jolie comme ça. On voit bien le moteur. Alors le moteur, vous le connaissez, c'est le CP3. Le CP3 de 890 cm3. Ici, il développe toujours 119 chevaux à 10 000 tours, comme sur la MT-09 et XSR 900, pour une valeur de couple de 93 Nm à 7 000 tours. Il existe en version A2, bien évidemment, donc 35 kW, vous le savez. Et c'est une machine qui sort à 70 kW en sortie d'usine, 95,2 chevaux à 9 000 tours. Et la seule différence en fait au niveau du moteur par rapport à la MT-09, ce sont certains points d'ancrage de ce moteur qui ont été renforcés, et on a également une boîte à air qui est spécifique. Je vous remonte un peu plus la petite partie arrière amovible. Ça se passe par ces petites vis ici, c'est fort joli. Le bras oscillant, tout en aluminium bien évidemment, comme le cadre Delta Box. Boucle arrière nouvelle renforcée, tubulaire. Pour le bras oscillant, on est à plus 55 mm par rapport à celui de la MT-09. Pneumatique S23, up to date, comme dirait ma grand-mère anglaise. C'est joli, et je voulais vous montrer forcément des petits détails de finition fort agréable, comme les petites goupilles qu'on a ici. On en retrouve également là, au niveau du carénage, vous voyez, c'est magnifique. Là aussi, ici, hop, on a des petites vis et des petits écrous aussi à l'ancienne. Ils sont là, vous voyez, les petits détails de finition. Alors moi, il y a un truc qui me gêne ici sur ce poste, par exemple, c'est là, c'est pas hyper symétrique. Bon voilà, petit détail, mais franchement, c'est sympa. On se regarde l'instru, hop. L'instrumentation Yamaha. Alors pour l'instant, vous me voyez moi, je vais faire le tour. Hop, hop. Ah, il est beau ce compteur à l'ancienne, hein, avec justement en son centre le contour. Moi, j'aime beaucoup. On peut rentrer dedans, on peut choisir plein de choses en bas, dans les settings en particulier, avec toutes les véhicules fonctions. Hop, ça c'est pas mal. Et surtout, on peut choisir ces petits trips en bas comme on veut. Hop, je voulais vous montrer un truc dans les settings. Ouais, c'était les différents thèmes. Il y en a plusieurs, hein, vous le voyez. Ah, vous me voyez surtout moi en fait. Il y a beaucoup de reflets sur ce TFT. Enfin là, hein, parce que c'est une belle glace. Mais en vrai, c'est super bien fait. Je reviens en arrière parce que je voulais vous montrer la nav. On l'a vu tout à l'heure en roulant. Ah non, j'ai fait une mauvaise opération. Voilà, je voulais vous montrer la nav. Oui, j'accepte. Et c'est plutôt bien fait, regardez, elle se retrouve juste là, au centre de l'écran, c'est hyper bien intégré. Moi, je suis assez fan. Voilà, ça c'était pour l'instru.
Hop, on va finir avec un petit focus sur la partie avant et ce freinage 4 pistons sur les étriers radio, grand disque de 298 mm et surtout un freinage conditionné par ce beau mètre cylindre Brembo. Et pour l'empattement là, entre les deux roues, entre la roue avant et la roue arrière, il y a 1500 mm. Et c'est pour ça qu'elle est hyper stable sur l'angle cette bécane. Voilà pour la petite revue technique. Je vous ai pas parlé des suspensions entièrement réglables avec tous les petits points de contrôle. Hop, la compression détente. Et puis pour l'amortisseur, lui aussi Kayaba, on a une petite molette de réglage fort pratique. Très bonne chose. Allez, on se retrouve maintenant sur le plateau de fin pour conclure, parler un petit peu du prix également. Ah, c'était cool quand même les années de la GP500 chez Yamaha. On est dans les années 90-80 avec Agostini, Eddie Lawson, Wayne René, Mackenzie et j'en oublie un, c'est Monsieur Roberts. Et justement, toute cette empreinte de l'histoire de Yamaha, on la retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle XSR 900 GP. Et sincèrement, dans ce coloris-là, elle est magnifique. J'adore les petits inserts jaunes pour pouvoir y mettre votre numéro. Pareil pour l'avant. Alors, on n'a pas pu tester justement ce nouveau feu lenticulaire de nuit. Bon, on nous assure que c'est un très bon accessoire. On veut bien le croire. En revanche, ils sont battus chez Yamaha pour garder cette face avant assez plane pour qu'on puisse y coller des numéros. Voilà, bon, mon essai d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on dit mariage heureux, mariage pluvieux, mariage heureux, on dit en France. Et bien finalement, peut-être une présentation pluvieuse, c'est peut-être une présentation heureuse pour Yamaha qui détient là une bécane fort sympathique. Moi, j'étais hyper attiré par sa plastique. Finalement, à rouler, elle apporte également entière satisfaction. Elle n'est pas trop radicale. Avec ces demi-guidons qui ont été aménagés au-dessus du pontet supérieur, elle est plutôt douce. Bon, certes, quand même, tout à l'heure dans mon commentaire embarqué, je vous disais qu'elle était confortable. Je revois sensiblement mon bilan aujourd'hui en fin de journée, parce qu'avec les routes qu'on a eues ici au Portugal, où ça tapait quand même pas mal, je dois bien avouer que j'ai un petit peu mal au fondement et j'ai un petit peu les poignets chauds. Mais bon, ça, c'est parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas monté sur une sportive. Côté positif, je vous ai dit son moteur. Sincèrement, ce bouilleur, ce CP3, c'est toujours une usine à sensations. Les mêmes performances que sur la MT-09. Toujours ce feeling très sympathique à la poignée que l'on peut déguster suivant plusieurs modes de conduite, vous les connaissez. Trois modes de conduite hein, déjà prédéfinis avec des niveaux d'assistance qui vont avec. Et puis des cartographies customisables, il y en a deux qu'on peut personnaliser. Et ça c'est plutôt bien pour justement se les mettre personnellement suivant les conditions de roulage qu'on a. Quoi. Route un petit peu sportive, allez, un petit peu plus de calme, on peut le faire, ça répond très très bien. Comme je trouve... Tout le package électronique relais à la centrale inertielle, on a quelque chose justement qui est actif sur l'angle, que ce soit au niveau de l'ABS ou de l'anti-patinage, c'est rassurant. Et sincèrement, cette bécane, elle est vraiment rassurante. Elle est bien chaussée, elle est bien bâtie, je l'ai trouvée assez rigoureuse sur l'angle, comme je vous disais, c'est une bonne gâche. Et je suis un petit peu dégoûté de ma journée finalement parce que, comme vous avez vu, on est allé sur circuit, mais on n'a pas vraiment roulé sur circuit. On a surtout joué les mannequins pour faire des photos. Ensuite, la route, c'était un petit peu frustrant avec la flotte. Mais finalement, je reste quand même emballé par cette bécane. Moi, sincèrement, elle me plaît de la proue à la poupe. Voilà. Bon, maintenant, comment elle se situe sur le segment? Elle est vendue 13 499 euros. Est-ce que c'est cher, ma bonne dame? Bah, c'est déjà 3500 balles de plus que le Roadster MT-09. Mais si vous regardez bien, il y a énormément d'aménagements qui ont été faits. Certes, il y a tout l'habillage, mais il y a aussi toute la partie compteur, toute la partie électronique, le bras oscillant qui a été rallongé. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de modifications. En outre, quel outsider lui opposer aujourd'hui à ce tarif-là? Puisque si on va sur les catégories des sportives néo-rétro, on est plutôt sur une catégorie supérieure avec les MV Agusta Super Veloce 800 ou alors la Triumph 1200 RS. Et en dessous, finalement, les autres sont un petit peu moins performantes. Donc elle est esselée sur son segment. Ben, finalement, c'est un petit peu le genre de Yamaha, ça, de créer ses propres segments. Rappelez-vous le T-Max. Bon bref, peut-être qu'elle va créer son segment. En tout cas, je pense qu'elle va fonctionner, elle va plaire, c'est certain, parce qu'elle est douce, parce qu'on peut s'en servir tous les jours.
Moi, ça me rappelle, je vous l'ai dit, mon GSX-R des années 2000 où je partais rouler avec tous les jours, aussi bien en ville que sur les routes. C'est ça, en fait, c'est une bécane polyvalente. En fait, c'est un trail. Cette moto, c'est un trail. Voilà, si on doit se mettre un petit peu sur la mode d'aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Un premier contact, on la reprendra sur Paris, sur des routes sèches. Puis on l'amènera sur piste aussi pour voir un petit peu ce que ça donne sur circuit. Moi, je vous dis à une prochaine pour un prochain essai. Ciao.